Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième épisode de ce Let's Play. Enfin, j'ai même pas envie de l'appeler un Let's Play. Donc, je m'étais fait un grindstone là, mais ce que je voudrais surtout, c'est que ma smelterie fonctionne, ce qui me permettrait de traiter les minéraux beaucoup plus facilement. On va commencer par se faire un marteau. Oh, joli marteau. Donc il me faut 4 plaques de fer. Alors il y a 3 plaques qui vont me servir à faire un seau. Que voilà. Et non, il me faut 2 plaques de plus. Voilà. Qui vont me servir à faire un tournevis. Tournevis qui va aller là. Marteau qui va là, hop, hop, ça ici, et ça là. Et on a une pioche en fer. Alors avec une durabilité qui est pas spécialement géniale, mais bon, c'est pas grave pour l'instant, ça nous suffit largement. Faut que je me refasse une épée, dont la durabilité est encore moins géniale, mais bon. Hop, hop. Je dois avoir de la nourriture encore qui traîne là-haut. On va prendre ça en... Ah bah non, j'ai 18 pains, ça sert à rien. J'ai encore une pelle. Donc on va aller chercher, essayer d'aller trouver de la lave. J'en ai vu en allant miner. Aïe, 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 aïe. Il va falloir que j'agrandisse un peu ce chemin. De toute façon, je vais pas tarder à déménager puisque... Malheureusement, le... L'infection gagne. Toum, 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 toum. Ah bah ça, je peux commencer à le prendre maintenant. Voilà. Merci. Je sais pas pourquoi je suis allé jusqu'en bas, c'est peut-être pas en bas. Ça, par contre, je risque d'en avoir besoin. Alors, bizarrement, ça ne marche pas. Avec la redstone, je suis obligé de ramasser un par un. C'est pas bien grave, hein. Mais il faut ce qu'il faut. Voilà. Allez, on remonte. Oh. Que j'avais entendu des mobs, donc j'étais parti par là. Ben, vous pouvez d'ailleurs voir sur la minimap la tête de mort, c'est là où je suis mort. Pot de l'or, maintenant je peux le prendre. Ça aussi c'est cool. Ça c'est du silicone, mais pour l'instant pas besoin. Ça je prends. Parce qu'on n'a jamais trop de charbon, tiens, bizarre. Ah bah tiens, il y a un channel ici. Hop. On va essayer de trouver de la lave. C'est pas par là que je vais la trouver. Fais gaffe de pas me foutre dans les buissons. Ah bah c'est bien tout ça. Ça c'est génial. On va beaucoup jouer avec la force parce que... Enfin avec la force. Ouais, c'est par ici qu'il y a de la lave. Et maintenant... Non, je peux toujours pas. Vous voyez, je la vois là en bas. Donc on va repartir comme ça. Et on va descendre proprement. Histoire d'éviter de mourir très bêtement. On avance encore un petit peu. Oh. Ça va pas faire un grand massacre. Y a rien. Bon, après j'irai faire une grande séance de minage parce que ça commence à en avoir besoin. Bon. Y a vraiment rien du tout. Quantum. Ah, j'ai cru vraiment qu'il y avait quelqu'un là. Voilà.
Allez, remontons. Ah, je sais même plus par où. Là. Ah, il m'en faudra plus qu'un saut. Hein. Ah, je m'attendais pas à le trouver là, lui. Ah, bref, pas grave. On remonte. Ah, je me suis fait un weapon, comme vous voyez marqué trou. C'est une manière à retrouver la base si je devais m'en éloigner. Vous entendez un drôle de bruit, c'est que je touille mon café. Hop, ça maintenant on peut le retirer. Alors, le seau de lave dans le réservoir. Maintenant tout ça est fonctionnel. Il va falloir que je crafte certains trucs en première chose. Non. Je fais une fixette sur ces trucs-là. En tout premier lieu, des blancs patterns. J'ai encore du bois, oui. Ici, on va se faire la stencil. On va se faire le part builder. Avec le coffre. Hop. On va se faire le pattern chest. Part builder, on le mettra en dernier. Et le dernier se fait à l'aide une table de craft. Hop. Une tool station. Donc il me faut 4 de large. Bah, ici ce sera très bien. 1, 2, 3. Et le part builder. 4. J'ai inversé les deux. Comme d'habitude. Faudrait une hache, mais j'ai pas le courage de m'en crafter une pour le moment. Ah oui, s'il n'y a rien dedans pour l'instant. On va se préparer les premiers plans. Alors, le stick. La tête de pioche. La tête de pelle. La tête de hache. L'épée, on s'en fout. Le croisillon. Maintenant, on va prendre. Non, ça, on va tout mettre ça dans le coffre. C'est chiant, ça se met pas automatiquement. Hop. On va prendre. Oh, du copper. J'en ai normalement. Que j'ai pas encore. Non, mais j'ai tout grindé. Ah, bah il est là en dust, oui. Bah tenez, j'en ai là comme ça. Et de l'aluminium. Hop. On ouvre la bébête. C'est pas pour... Je sais pas pourquoi il est buggé comme ça. Normalement, on devrait voir le niveau. Je vais mettre dans le bon sens, peut-être. C'est ça qu'il veut pas. Voilà, c'était ça qu'il voulait pas. Alors, j'ai dit, on va mettre 3 d'aluminium. On va mettre les 6, de toute façon, comme ça, ce sera fait. Ça va m'énerver, ce bruit. On va commencer par dormir. Et on va les tuer. La bestiole. Oh! Un Enderman qui se prenait pour Guillaume Tell. Il est là-dedans ou quoi? Je le vois pas. Bon, c'est pas grave. Est-ce que je le tue? C'est lui qui va me tuer. Ah bah il s'est RTP. Il est là-bas. Dire, moi j'ai pas de mal à le reconnaître. Hein. Laisse-moi régène.
quelques points de vie. Ouais, si ça en va à Pétaochnok, je vais jamais. Il est là-bas. Ah ben, ça me permettra d'aller récupérer ce que j'ai laissé dans les coffres au village. Tu vas te calmer. Non, il a disparu. C'est pas lui qui est là-bas. Je vois sur la minimap. J'espère que c'est ça. Eh bien non. Tant pis. Allez, on va les récupérer. Ce qu'il y a dans les coffres. Pam pam padadam pam padadam. Ah, la musique, elle m'est restée dans la tête. Beau bug. Bon, on va le laisser se régler. Voilà. Oui, ils font pas un bruit pénible du tout. Allez hop, hop. Coûte rien. Pour le coffre, on s'en fout. On va reprendre un seau de lave ici. Eh, ça coûte rien. On va aller voir là-dedans. Est-ce qu'il y en a? Bah voilà, il y en a un en stone ici, ça me permettra de faire le moule. Bah une copper, on va la prendre. Ça pour l'instant, on peut laisser là-dedans. Voilà, il y a tous les plans, on viendra peut-être les rechercher. Hop! Chez la pierriste, il y avait pas mal de choses aussi, de mémoire. Et est-ce qu'il y avait. D'ailleurs, c'est marrant parce que chez la pierriste, il n'y a pas de ruche. Mais bon, c'est pas grave. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. 1, 2, 3. Cobble, on peut la virer. Ça, pour l'instant, on peut virer. Ça. Et ben voilà. Ah non, il me manque encore tous les berries à prendre. On va déjà gagner une place ici. On va le faire en stick. On va virer la planche. Tous les moyens sont bons pour gagner un peu de place. 1, 2. Bon, ça pour l'instant. Hop, voilà. C'est ce qu'il faut pour le moment. Bon, tout ça, ça progresse, hein. La cochonnerie. Allez, plus vite, c'est mou. Voilà. Ah oui, je peux garder le cube de terre. Bon, pour l'instant, la porte elle reste ouverte. Hop. Je fais un peu de place. Alors, ça a dû finir de cuire, par contre. Exactement. Donc, juste en bas, maintenant, on a du molten aluminium brass, qui est de l'aluminium mélangé avec du copper. On va remettre un copper à cuire, un aluminium à cuire. De manière à avoir suffisamment. Donc, on va commencer par se faire le moule pour la pelle, pour la pioche. Donc ça, on peut virer. Ah, mais il n'y a plus de place là-dedans. Est-ce qu'il reste un coffre? Oui. Hop. On peut mettre les moules. Voilà. Donc maintenant, on va prendre le part builder. On va se faire un moule pour le stick.
cas pour le manche, on va dire. Pour le croisillon. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça en bois. Je suis pas sûr que ça marche en bois. Ah bah si. Et enfin, pour la hache. Ah non, je peux pas. Donc ça, il me faut dans la cobble. Bah alors. Voilà. Hop. Et il me reste le dernier, mais celui qui, à mon avis, est essentiel, c'est le lingot. Il doit me rester des lingots là. Oui, allez, on va faire ça avec un lingot de lead. Yop. Et il faut qu'on fasse deux moules. Et de 1. J'aurais pas dû le ranger. Bon, celui-là, je peux le laisser là. Et de 2. Et voilà, on est tranquille. On peut maintenant déjà remettre le deuxième seau, ça m'évitera de faire une connerie avec. Le reste à du cuir. Il reste deux lingots d'alum. Bon, on va cuire le reste de l'aluminium. Apparemment, ça manque de copper, c'est pas grave. De toute manière, là maintenant, je vais tout mettre en lingots. Donc tout va être doublé. Hein. Vous voyez, c'est fini, ça passe au suivant. Et on va se faire du bronze. Puis on va se stuffer parce qu'il y en a marre de pas avoir d'armure. Voilà. Mais je veux d'abord virer tout l'aluminium qu'il y a là-dedans. Ça y est, l'aluminium est fondu. Vous avez vu les blocs disparaître. Voilà, c'est vide. Ça, on peut mettre là. Ça, on peut mettre là. Donc maintenant, là, on s'en fout. Il nous faut 3 pour faire du bronze. Il nous faut 3 copper pour un tin. Alors ça, on peut les crafter comme ça. Hein. Et hop, on se retrouve avec 21. Donc ça, on va les cuire. Ensuite, le copper et le tin. Est-ce que j'ai du tin là-dedans? Popopom. Voilà. Donc, j'ai 4 copper ici. Donc, on va faire ça comme ça. C'est juste pour vous montrer. Hein. Ça va pas changer grand-chose. 1, 2, 3 copper pour un tin. Vous allez voir qu'il va se mélanger directement en bronze. Ce qui est plutôt cool. Et ben c'est bien. Maintenant, ben, je vais retourner miner. Je vais traiter tout ça après. Et puis on va se retrouver pour attaquer des choses un peu plus consistantes, va-t-on dire. C'est chiant, j'ai plus de place là-haut. Ah, il reste une place. Alors. Les gold armure et tout ça, on s'en fout un peu. Bon, je vais aussi refermer la porte ici. Voilà. On est en sécurité. Et ben, on va laisser déjà le bronze se finir. J'adore le café froid. Alors maintenant, il faut que je me rassure sur une chose. On va voir. Est-ce que si je fais... Oups, pardon. Si je fais ça... Ça marche pas, c'est bien ce que je pensais. Donc il va falloir que je fasse des plaques de bronze. Donc il va m'en falloir beaucoup. Ça, je peux cuire.
Donc là, par exemple, je peux faire 5 plaques avec 10 bronzes. Bon, voilà, il nous en faut vraiment beaucoup. Donc c'est reparti pour une séance de minage. À tout à Bon. l'heure. La pioche en fer ne tient pas assez longtemps, donc on va passer aux choses sérieuses. Le part builder, le tool station, pardon. Je veux faire une pickaxe, j'ai donc fait un manche en iron, un iron mending, qui va mieux là, et un tool rod. Je peux y mettre trois modifications. Enfin, tout l'intérêt de la chose là, hop, ah, de l'or. Tout l'intérêt de la chose là, c'est que je vais pouvoir la réparer directement sans avoir à revenir à chaque fois. Bon, on fera ça plus tard. On redescend miner. Il y a un nombre de mobs assez conséquent, si j'ose dire. Ah, je suis descendu encore une fois trop bas. Je ferai ça hors caméra d'aller miner en semi-optimisé. On va se contenter des grottes, c'est plus rigolo. Enfin, pour vous surtout. Pour moi, ça risque de pas être drôle du tout, mais. Hop. Pas dû laisser ça là. Si j'ai bonne mémoire, je dois aller par là. Voilà, là, il y a de quoi faire. Va pouvoir stocker. Alors, ça marche pas. Alors, c'est Mine Factory. Non, c'est pas Mine Factory. C'est. Je sais, ça y est. Le nom est reparti. J'ai recherché pourtant. Oh. C'est un lag. C'est un gros lag. Voilà. Tiens, bon, on va voir un truc que j'avais déjà testé. On va voir si ça fonctionne toujours. Voilà. Oui. Alors quand je mets les torches juste à côté de l'outil et que je clique droit, en fait, ça pose une torche. Vous entendez le bruit de la cascade? Oh, du fer. Ah, je vais la tuer, la batte. Enfin, quand je la retrouverai. Elle est là. Ah, j'y arrive pas. Je veux que tu meurs. Bon, je vais pas y arriver. Elles sont tout le temps collées dans nos pattes et c'est quand on veut les tuer qu'on n'y arrive pas. Bon, bah tant pis. C'est pas grave. Donc là, il y a un mélange de pétrole et d'eau. Bah l'eau descend même pas jusqu'en bas, c'est marrant ça. Voilà l'Enderman que j'entendais juste avant. Ah, c'est un grand. Ah bah je l'ai eu tout de suite. C'était un gamin. Par contre, à mon avis, je devrais me prendre les parents dans la tête dans pas longtemps. Oh, c'est pas le bon bouton. Ah ben non, je me suis même pas pris les parents. Tant mieux.
falloir que je nettoie ça à un moment ou à un autre. Je sais pas d'où vient la fuite ici. Ben voilà le cube. Hop. Normalement, c'est bouché. Ou pas. On remonte. Ah bah si, c'est bouché. Bon alors. Oh, je suis perdu dans le noir. Je vois rien du tout, hein. Vous voyez rien, mais je vois rien non plus. Normalement, ça devrait se refermer. Je vais monter jusqu'en haut. D'accord, il y a plusieurs trous. Je vais y arriver. Faut jamais désespérer dans la vie. Bon, je suis à nouveau coincé, je vais éviter de me noyer. C'est ce qu'on va faire, on va faire ça. Voilà. Normalement, là, c'est bon. Ah non, parce qu'en fait, d'accord. En fait, il y a des sources un peu partout. Il y a des sources un peu partout. Voilà, j'ai dû y arriver là. Gagner. Enfin, gagner si on veut, puisque maintenant il y a l'eau. Celle-ci est coupée. C'est un peu inutile ce que je fais, mais. Oh, je fais n'importe quoi. Bon. Je vais pas m'énerver là-dessus. Donc vous voyez, déjà la pioche en fer, elle a une durabilité beaucoup plus longue quand elle est faite comme ça. Et en plus, je pourrais y apporter des modifications. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Alors, pas tout de suite, mais un peu plus tard. Je peux miner ça maintenant. C'est quand même super pratique, hein, ce mode qui permet de miner plus rapidement. Par contre, je tiens à préciser que c'est pas du cheat, donc ça use ma pioche de la même manière que si je minais les blocs les uns après les autres. Là, c'est nettoyé, parce que je vais le prendre, même si je m'en sers pas pour l'instant. Oh, un trou. J'entends une araignée. Ça, je voudrais le récupérer. D'accord. Bon, bah, il s'est tué tout seul. Oh, un cœur. Ça, je m'en tape. Le buisson, voilà. Wow, il m'a fait mal. L'animal. Je l'ai eu. C'est des flèches. Ah oui, il faudrait que je vous montre qu'en fait on. Ah, oh, bonjour. Bon, bah j'ai plus d'épée.
ils sont deux. Bah alors? Je sais pas à quoi c'est censé servir ça. Bah, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de modes que je vais découvrir en même temps que vous. On a beaucoup de fer. Alors que je voulais du bronze. Bizarre. Et chiant ce truc là. Ah non, ça je ne laisse pas de côté. Qu'est-ce que je pourrais balancer? Ça il m'en redonnera un de toute manière. Et ça j'en ai une deuxième. Ah, j'ai peut-être une chance d'avoir du copper. Oh là, c'est la fête. Voilà. Ça, c'est fait. Bah, il suffit de demander, regardez. Mais bien entendu, j'ai plus de place. Allez, hop. On continue. Il n'y a plus rien à faire par là. Ça, par contre, j'en ai besoin. Et c'est fini pour le moment. Touloum, touloum. Alors. Bon, c'est pas vraiment la destination de ces trucs-là. Mais bon, c'est pas grave. Allez. On rentre à la maison. C'est pas par là, c'est par là. Bon, on a attaqué un petit peu de Tinker Construct aujourd'hui. Alors, quand je dis un petit peu, c'est vraiment un petit peu. Moi, entre deux épisodes, j'ai beaucoup miné. Parce que comme vous pouvez le remarquer, c'est pas si facile que ça et il n'y a pas tant de. Il n'y a pas tant de marge et de facilité à miner. Alors ce que je voulais vous montrer, oui, tiens. Hop. L'avantage de ces pickaxes, c'est que si vous avez. Ah bah ça on peut plus. Oh, je suis embêté. Bon. Normalement, on pouvait le faire dans la table de craft directement. Mais donc, il faut le faire dans celle-ci. Je mets la pioche, je mets le fer, voilà. J'ai réussi à le réparer. Et vous pouvez voir ici qu'il reste trois possibilités de le modifier. Alors, il y en a un, c'est avec la redstone. Bah tiens, j'en ai. Elle est où? On va faire de la place. Ça, je m'en occupe pas tout de suite. Ça, c'est bon. Hop, hop. Donc, de la redstone, j'en prends un stack. On va le mettre là. Je mets la pioche. Je mets de la redstone. Et vous allez voir qu'en mettant de la redstone, je vais gagner en vitesse. Donc là, il m'en faut 50. Donc vous pouvez le faire avec des blocs aussi, mais normalement, si je ne m'abuse, le crafting de blocs de cette manière-là, c'est bien ce que je pensais, il est désactivé. Donc je suis obligé de les faire un par un. Bon, c'est pas dramatique en soi, mais bon. Ce serait bien si c'était rapide.
c'est pénible. Oh. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 8, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Et voilà. Donc là, si vous, je suis à 50 sur 50. Non, je suis à 51 sur 100. Donc vous voyez, j'ai utilisé deux modificateurs au lieu d'un seul. Bon, c'est pas dramatique en soi, c'est pas grave, ce sera pas ma pioche définitive de toute manière. Hop, hop. Eh ben écoutez, on va se laisser là. On aura avancé un petit peu. Bon, pas encore énormément sur les machines, mais en fait, il faut beaucoup plus de minerais. Et j'ai pas le. Il faut que je prenne le temps de miner avant de redémarrer une vidéo. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et d'ici là. D'ici à ce qu'on se retrouve, pardon, allez ça, vous salue, bien bas, ciao.